Ici, en effet, c'est un arrangement très spécial. D'ailleurs, mes amis disent que c'est un des plus aspects japonais, que Japon actuel. Oui, en effet, je m'arrangeais à ma façon, mais style traditionnel. Et puis, quand j'arrive ici, et je commence avec un bol de thé que je prépare, ce qu'on dit la cérémonie du thé en France, mais en fait c'est pas cérémonie, mais c'est un rituel hein, qui fabrique. Et puis je prends le thé. Et cette forme de préparation du thé, c'est déjà la formule de concentration pour moi.
Un parcours classique Alors donc, non, pas de non, classique. Pas du Au tout. Japon, c'est cette époque-là. Moi, j'ai travaillé donc des années 60, hein, Oui. et je m'inscris dans le cadre de peinture occidentale. Ah oui, dès le Oui, départ. Ah dès le oui, départ. oui, Oui. oui. Non, parce que mon père, qui Oui, était déjà. calligraphe, alors donc j'en avais marre, hein, donc, je Oui. voulais pas faire là, ce genre de choses. Oui. Alors donc, je suis allé là-bas. Qui lui disait non, 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 il faut que tu viennes comme moi.
Mais non, 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 je ne peux plus faire ça. Alors, donc, je vais faire un jour en France ce genre de travail. Cette époque-là, c'était l'impressionniste. Ah oui, Oui, ah oui. il est Dans les années 60 dans les années encore, 60. oui. Oui. Moi, personnellement, ça m'intéressait. Oui, Donc, oui. j'ai appris de ce genre de technique, tout ça, au bazar. Et j'ai travaillé donc pendant 4 ans. Et puis après le lauréat, que je passais pour comment dire, le concours pour avoir la bourse Oui. pour la France. Et donc en 68, je suis arrivé à Paris. Et là, Oh. t'as été aux Beaux-Arts ou dans un Non, je atelier? suis obligé d'aller à Beaux-Arts, Ah oui, aller au d'abord, oui. Bazar de Mais, Paris. Oui. comme tu sais, cette époque-là, c'est 68, Ah oui, oh justement, là, oh là, oh mai, là là. qui est Il y avait les complètement barricades. dégringolé, où il y Oui, a des barricades, il n'y tout avait pas ça. beaucoup Alors d'enseignement. donc, il n'y a pas d'enseignement, il n'y Non. a ni prof, ni Rien du tout. camarades. Il y avait beaucoup de camarades, mais on Mais faisait, dans oui, on la... a Dans la... parlé dans un salle, on s'est réunis, mais Oui, je ne comprenais rien. t'as appris le français dans les Voilà. discussions. Ouais. Alors donc, pendant un an, je voyageais en France, à fait le Paris, le musée, tous les musées. Et puis finalement, je travaille en dehors de Beaux-Arts. Ah Et à partir de deuxième année, ça commençait oui. À remarcher un à peu, un peu. remarcher. Et pendant 5 ans en tout, j'ai travaillé à Paris, aux Beaux-Arts. Et ton atelier ici, là, au bateau Ça, Lavoirs, c'est le 79. à 10 ans après, oui, c'est Dix ça. ans après, oui. Merveilleux. J'ai eu mal à bouger pour se caser droite et gauche. C'était très difficile. T'as commencé par des chambres de bonne, Voilà. C'était mon rêve d'avoir le grenier. oui, Hein? bah ça, oui, c'est généralement ce En qu'on avait. hiver, ça gelait. Et puis, il y a des fenêtres complètement gelées, là. C'est ce genre d'endroit que j'ai vécu. J'étais très content quand même. Ah bah oui, là, C'était... Je t'as suis eu de la très, chance de très pouvoir content. entrer Oui, ici. oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Surtout que t'es le seul qui a une entrée personnelle, finalement. Oui, Les c'est autres vrai. c'est l'entrée Les autres ont collective, un votre sort, le réseau. collectif. Ah oui, c'est vrai, c'est une Oui, entrée direct. directe. Oui, 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 personnelle. oui. Oui. Bon, cela Et... dit, tu as quand même une formation par ton père, tu as quand même eu une formation, Oui. on Alors, va dire donc, classique merci japonaise. mon père, mais... Oui. Oui. En tout C'est cas, je ne voulais pas important quand même. suivre Oui, le oui. branche directe Oui, je de comprends. numéro Mais 1. Oui. maintenant, tu te rends compte que c'est très Oui. important aussi, j'imagine. Oui, finalement, je commence à reculer pour avoir cette technique traditionnelle et puis avec mon, comment dire, inspiration que j'ajoute, donc ça devient un peu mélangé, quoi. Et les performances que tu fais régulièrement depuis une vingtaine d'années, peut-être à Oui, peu près, 20 ans, oui. et dont tu nous as gratifié à Lorbière, ça J'étais participe très aussi peut-être un content. petit peu de tout le rituel shinto Absolument, auquel tu as absolument. assisté Oui, depuis oui, oui. Et ton philosophiquement, enfance. en effet, c'était tout à fait. C'est là qui m'a déclenché en regardant cette rivière, la place, qui m'a commencé à parler. Et donc, voilà, l'idée, tout ça, philosophie qui revient de sources de Japon, en fait. Hein? Absolument. Donc il y a un côté à la fois rituel et spectaculaire. Ce n'est pas que du spectacle. Déjà, c'est dans le temps, le spectacle, par rapport à une œuvre accrochée à un mur. Mais il y a aussi le côté rituel et participatif, finalement, qui engage, d'une certaine manière, les spectateurs. Et ça c'est très important. Tu le dois en partie au Japon, on peut dire, tout de même. Peut pas dire que ce soit une tradition de l'école des Beaux-Arts de la rue Bonaparte. Non, 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 c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et non, finalement, au fond de moi, je suis très japonais, j'ai l'impression, parce Oui, c'est moi je que crois ni aussi. Beaux-Arts, ni Japon que j'ai pensé, ça devient tout d'un coup, c'est moi qui commençais à enflammer dans ce sens-là. Oui. Donc je n'ai jamais, comment dire, ni calculé, ni analysé de cet instant. Oui, Oui, c'est oui. ça. Tout se passe par questions-réponses, comme avec les bonzes autrefois, c'est-à-dire dans la Ah ouais. pratique. Alors là, Ah oui, on peut montrer à la caméra c'est là, ça, c'était le oui. projet, un projet. Tu sais, quand la première fois, je suis passé la Orbière, et puis comme vous m'avez montré les grottes, hein, et j'étais très content de cette, enfin, votre projet, en entrant à Paris, ça c'est le bouquin de TGV. Ah,
Hein? Oui. Et puis en fouillant, tout de suite, cette photo assez noire, noir et blanc, qui m'a inspiré. Alors donc, j'ai déchiré le petit endroit. Et puis voilà, l'installation, Voilà, c'est l'installation que je l'installation de la devais faire. grotte. Dans ce sens-là que j'ai fait l'esquisse. Et c'est comme ça que j'ai gardé. Oh. Mais Voilà. cet endroit, c'est magique. Ah oui, Hein? C'est c'est pas un vraiment. endroit neutre, hein, c'est sûr. Oui, Ah, j'étais très content. oui. Très, très content. Oui, alors donc n'importe où, quand ça m'inspire, oh, je fais la création J'ai de vu tous dans les ton sens. calendrier qu'il y avait un projet avec un musée à Berlin, un musée d'art Ah, le musée oriental. Berlin, oui. Non? Oui. Musée l'année prochaine, donc musée art asiatique. Il y a C'est un ancien musée ou un nouveau musée? je sais pas Je comment on sais pas, dit. oui. Il y a d'anciens musées Non, mais c'est une architecture moderne ou modernes, c'est moderne? anciennes. Oui, ils ont Bon. bougé certainement. Architecture moderne. Donc il y a trois parties et avec comment ça s'appelle, indien. Oui. Ils ont considéré comme un Asie, hein. Oui. Indien, et puis et La Chine et l'Asie, le Japon. et puis l'Afrique aussi. Ah, il y a Oui, l'Afrique aussi. dans un grand bâtiment, il y a de séparés. Ah oui. Il y a de petites cours intérieures, donc Ah oui, droite c'est et un gauche. musée très important à Oui, Berlin, oui, ça. oui, Oui, oui. oui, Alors donc, s'il y a une section japonais, oui. c'est là-dedans que ça se passe. Tu travailleras en extérieur ou à l'intérieur? Aussi, alors donc, Les deux? les deux, performances. Et installation intérieure, et puis avec les peintures, une chambre D'exposition. d'exposition de mes peintures. Ça sera avant l'été. Septembre. En septembre, En septembre. 2008. Voilà. Et puis, donc, en même temps, à Cologne, aussi, ça c'est une galerie. Et puis après, après le ah non pardon avant c'est le mois de juin dans une galerie à Tokyo. Tes peintures un petit peu grandes, tu les fais plutôt à Saint-Rémy-de-Provence Oui, plutôt ici qu'ici. c'est le Picasso qui me gêne, alors donc je peux plus travailler de grand format. Et comme vous avez vu tous les ans, les murs qui s'approchent, Oui, c'est c'est de plus en incroyable. plus Oui, étroit. oui. Alors donc j'ai besoin de travailler. Je peux pas toujours travailler au mur. Et il faut que je travaille Au par sol, terre, c'est à au cause sol. du liquide que j'utilise. Et donc j'ai besoin de surfaces écartées. Alors, ceci dit, le grand format, je travaille dans le midi à Saint-Rémy-de-Provence. C'est vrai. Ton médium, c'est de l'encre.